petit peu déçu, hein. Des courses comme ça on veut les gagner. Mathieu dans son lit d'hôpital il aurait voulu aussi. Maintenant je crois que des trois premiers c'est lui qui a fait la plus belle course, hein. Il est venu en descendant, je pensais que ça allait aller moins vite que ça. Après je remonte au chaud, mais bon, on a fait un effort en descendant, il se présente en tête en trainrate et c'est les pisteurs qui, la pisteuse qui est venue nous tuer. Est-ce que tu as des regrets par rapport au parcours? Des regrets, je suis parti sans les temps de galop. Après je pensais que s'ils allaient se calmer devant que j'allais venir plus doucement. C'est les courses, hein. On a couru pour gagner, on est battu de peu, c'est comme ça. C'est le cheval qui a le moins d'expérience dans la course, il a ses quatre fers, il a les cotons dans les oreilles. Je pense que dans la course c'est peut-être lui qui a le plus d'avenir. Troisième, ouais, c'est presque parfait. À mi-ligne droite j'ai cru gagner, mais le cheval a manqué d'un peu de métier à faire cette tactique là. Maintenant bon, on est à une encolure du gagnant, enfin de la gagnante. J'espère qu'il va continuer à progresser comme ça. Mentalement, c'est bien. Il commence à être presque brave. C'était voulu de partir derrière et de le faire courir en position d'attente? Bah oui, parce que la dernière fois, bon, j'étais troisième de la même façon, on va dire, au niveau classement. Mais par contre, la pratique était un peu dure pour lui. Il avait fini émoussé. Là, il finit bien, donc c'était avant la course presque destiné comme ça. Ouais, tout à fait. Bah, par rapport à Vanika, je pensais qu'il était meilleur. Mais bon, la génération est peut-être aussi supérieure. Lui, il est troisième au lieu de gagner. Bon, bah, le principal c'est dans les arrivées à chaque fois. Quoi. On voit quoi avec lui pour la suite? Bah là, si la filière est bonne, c'est le prix de l'étoile et puis le critérium des 3 ans. Ouais, bah, le cheval fait sa course, hein. On s'est retrouvé à deux et puis on n'a pas eu un parcours extraordinaire. Mais le cheval a été courageux, quoi. Pour finir, il en avait un peu marre, mais bon, le cheval il lui manque pas grand chose. Il nous manque pas grand chose pour bien faire. Est-ce qu'à l'avenir on pourra le voir justement avoir ce petit quelque chose? Chef du Châtelet, quand ils sont bons, c'est une origine qui vieillit. Hein. C'est des chevaux qui s'endurcissent, donc c'est pas comme des Américains qui ont pas de progression. Avec une origine comme ça, on a toujours l'espoir que le cheval progresse, s'endurcisse et s'améliore encore. Et une petite enquête sur ses allures? Ouais, c'est la première fois qu'il court avec les petites œillères et quand Franck a baissé, il s'est précipité. Et à mon avis, il a dû cafouiller un peu, mais bon, il doit pas y avoir grand chose, hein, pour qu'il soit maintenu dans un groupe 1, c'est que ça devait aller. Quoi. Est-ce que finalement, vous pensez qu'il a sa place ou? À deux, né au vent, il est à sa place, mais bon, c'est des courses, hein, c'est comme ça.